Raymond, bonjour. Demain, grand rendez-vous ici sur l'XTERRA France, où l'année dernière tu as brillamment remporté cette première victoire du XTERRA. Et là, cette année, on te voit encore présente, avec une bonne forme. La semaine dernière, une deuxième place à l'ITU Cross, mais tu es dans une belle saison encore et une belle bagarre avec Renata. Oui, bah c'est vrai que moi, ça me tient beaucoup à cœur de revenir ici. L'an dernier, donc, c'était quand même ma première victoire sur l'European Tour. Donc ça, forcément, ça marque les esprits. Ensuite, c'est en France, donc on a forcément envie de briller. J'ai fait un très bon début de saison, victoire en plus sur la première manche en Italie. Là, bon bah cross triathlon, je termine deuxième. On s'est livré une belle bagarre avec Renata. Donc j'espère que demain ce sera aussi une belle course, une belle bagarre. Je pense qu'il ne faut pas se focaliser que sur nous deux. Il faut aussi négliger personne. Hein. Il y a quand même l'Autrichienne, il y a quand même la Sud-Africaine. Donc voilà, il va falloir quand même être vigilant sur tout le monde et pas non plus trop se focaliser sur une seule personne. L'adversaire pourrait être également le parcours, puisque le parcours tu l'as repéré. Parcours très physique, très dur, mais demain l'appui pourrait peut-être faire toute la différence. Oui, voilà, c'est vrai que déjà ici le parcours est très très exigeant, beaucoup de dénivelé, et là en plus c'est vrai qu'au niveau des conditions météo, l'appui pourrait être de la bataille, donc va falloir gérer justement un petit peu ça. Là on est encore un petit peu en questionnement avec les choix de matos, le choix de pneus, on est encore un petit peu en train de voir, on verra demain matin ce qu'il en est. C'est toi, faut tout prendre en compte, ça fait partie des choses et voilà, faut pas paniquer par rapport à ça. Merci Marion et bonne course pour demain. Bah merci beaucoup, puis demain j'espère, sur la première marche. Ah super.